Et nous passons à la question numéro 23. C'est une question qui porte sur la rénovation du terrain d'honneur du stade René Fenouillère. Et c'est Philippe Collet qui rapporte. Alors, la ville d'Avranches souhaite rénover le terrain d'honneur du stade René Fenouillère. Une consultation a été lancée début avril 2019. Les candidats seront évalués au stade de la candidature sur leur situation juridique ainsi que sur leur capacité professionnelle, technique et financière. Les offres des candidats admis seront ensuite jugées en fonction des critères pondérés suivants. Prix des prestations 70%, valeur technique 30%. Les plis sont actuellement en analyse. À son issue, le soumissionnaire économiquement le plus avantageux sera retenu et devra effectuer les travaux correspondants. Il est donc proposé au Conseil municipal, après avis favorable de la Commission des finances, d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer le marché relatif à la rénovation du terrain d'honneur du stade René Fenouillère et toutes pièces afférentes. Merci. Philippe, est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Alors, M. Siri. Oui. Merci, M. le maire. Est-ce que vous avez un budget approximatif? Non, mais je pose une question. Est-ce qu'il y a un budget approximatif pour les travaux? Parce qu'on m'a parlé d'une somme. Alors, je ne vais plus donner de somme parce que... Allez-y. Donnez-nous une somme. Alors, l'estimation, et a priori, je suis tenu aussi de ne pas trop parler, puisque la commission d'appel d'offres vient tout juste de se réunir. Je vais laisser Philippe parler éventuellement. La somme est voisine des 500 000 euros. C'était l'estimation de base. Ça a été voté au moment du vote du budget, bien évidemment. C'est des choses qui ont été vues en commission des finances. Enfin, c'est pas, et au conseil municipal aussi. Enfin, je ne comprends pas votre question. C'est 50%. Il y avait une partie qui devrait être votée par la communauté de communes. Oui, bien sûr. Alors, ce qui a été acté, c'est en effet la participation de la communauté d'agglomération sous forme d'un fonds de concours pour pouvoir participer... l'élaboration du projet dans sa globalité. Voilà, ça fait partie, alors c'est pareil, c'est pas un secret, c'est partie de notre contrat de territoire qui nous lie, quand je dis nous, c'est le bloc communal, c'est la communauté d'agglomération et la commune, à la région et au département. Et encore récemment, la semaine dernière, le président Lefebvre a pu visiter l'ensemble des installations qui servent aujourd'hui au club, sur la commune déléguée de Saint-Martin-des-Champs. Nous sommes allés sur le stade Raymond Clouet, nous sommes allés bien évidemment voir le stade Fenouillère, puisque c'était le match contre Concarneau. Voilà, donc les choses sont claires, transparentes. On pourrait refaire une présentation complète, on pourrait refaire une plénière si vous le souhaitez. Mais je pense que le projet est clair à l'esprit de chacun. Monsieur Huet. Oui, sur les subventions, donc il y aura à la fois le département et la région, par le biais de leurs contrats respectifs. C'est ça l'idée. Oui. Pardon, excusez-moi. Il y aura une subvention du département et une subvention de la région. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans le plan de financement tel qu'il a été présenté dans le cadre du contrat de territoire, et même le contrat de territoire a été signé, le montant global des travaux qui est prévu pour l'ensemble des installations qui concernent le projet du club s'élève à 2 500 000 euros. 500 000 euros sont apportés par le département, 500 000 euros par la région, 500 000 euros par le bloc communal, donc ville et communauté d'agglomération, le reste étant à charge du club. D'accord. Alors, je crois que c'était bien de rappeler les chiffres, le club. Il faut avoir aussi en tête que la ville d'Avranches gardera sa maîtrise d'ouvrage sur la rénovation du stade Fenouillère, et qu'il est prévu, avec le club, de signer, on le verra si l'avenir nous envoie dans cette direction, une délégation pour pouvoir laisser les coudées franches au club sur le reste des installations qui doivent être rénovées ou créées.
Oui. Sans vouloir être trop formaliste, j'ai un petit problème avec la rédaction du projet de délibération, puisqu'il est indiqué que les critères de choix sont prix des prestations 70% et valeur technique 30%, ce qui me semble être une bonne chose. Par contre, juste après, mais peut-être Philippe Collet va pouvoir préciser les choses, il est indiqué à son issue, le soumissionnaire économiquement le plus avantageux sera retenu, ce qui est contradictoire avec les critères que vous avez retenus. Parce que à lire cette phrase, cela voudrait dire que ce sera la proposition la moins onéreuse qui sera retenue. Alors que le critère économique n'intervient qu'à hauteur de 70% et qu'il y a un critère technique qui intervient à hauteur de 30%. Donc, c'est pas dramatique en soi, mais je pense que la formulation du projet de délibération n'est sans doute pas suffisamment précise. Alors, on est dans un rapport qualité-prix. Hein, donc, c'est vrai que ça peut laisser croire, mais sur le fond, on est dans un rapport qualité-prix. Hein. Donc, les travaux, si vous voulez, on va les apprécier aussi techniquement, hein, puisqu'il s'agit de travaux de démolition, de terrassement, de traînage, d'assainissement, d'arrosage technique, d'arrosage automatique, de terrain en gazon naturel, d'équipement sportif. Donc, la technique va vraiment rentrer en compte. Mais la valeur prix a quand même une importance prédominante. Oui, puis je pense on est dans un rapport qualité-prix. Quand on entend économiquement, c'est pas forcément lié au prix. Ouais. C'est que l'économie d'un projet n'est pas seulement liée à son coût. Je peux donner quelques paramètres comme ça qui me viennent à l'idée. Je pense à l'entretien de l'équipement, notamment à l'arrosage, des choses comme ça, qui seront bien évidemment pris en compte dans l'examen des dossiers. Et je pense, pour voir comment les choses fonctionnent au niveau des grilles d'évaluation qui sont proposées au moment des consultations, qu'avoir 70% en note de prix, c'est quand même important. Donc ça signifie que la dimension prix est fortement prise en compte. Dans beaucoup de consultations, la note prix est inférieure à 50%. On est à 40-45%. Là, 70%, ça me semble être assez fort. Monsieur... Il y avait Hervé Lenné qui voulait prendre la parole, et après je vous redonne la parole. Hervé. Oui, je voulais dire la même chose. Hein. En termes d'économie, il n'y a pas que les finances. Hein. L'économie, c'est beaucoup plus vaste que la finance. Maintenant, le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse s'oppose au choix du moins-disant. Hein, c'est fondé sur le... qui, lui, moins-disant, est seulement fondé sur les critères financiers. Hein, il y a un code de la commande publique hein, qui régit bien ces dispositions. Mais encore une fois, l'économie, ça n'est pas que de la finance. Monsieur Vette. Bon, moi, je n'en fais pas une affaire extraordinaire. Je voulais simplement attirer votre attention sur ce point-là, parce que il se trouve qu'en matière de marché public, les contentieux se multiplient. Alors, il y a souvent des entreprises qui n'ont pas été retenues et qui font des contentieux. Voilà. Je le dis simplement pour l'intérêt général de la ville. Il ne faudrait pas que sur la base d'une délibération qui laisserait entendre que le soumissionnaire économiquement le plus avantageux sera retenu, si tel n'était pas le cas, parce que moi je suis parfaitement d'accord avec la répartition des critères à 70-30, voilà. Il ne faudrait pas simplement que ces bons critères-là éventuellement se retournent contre nous. C'est la seule portée de mon intervention. Alors, il faut savoir que le terme économiquement, il est parfaitement cadré par le commande de la commande publique. C'est vraiment un terme. Je vais vous donner les références. Économiquement, là, au fait, vous mélangez ce terme économiquement avec moins-disant. Non, mais c'est la réalité. Donc, on vous donnera les éléments et vous verrez que dans la délibération, on est parfaitement en phase de manière à éviter tout recours, tout contentieux qui pourrait émaner d'une entreprise qui n'aurait pas été retenue. Voilà. Bien, est-ce qu'il y a d'autres interventions avant que nous passions au vote? A priori, je ne vois pas de main se lever, donc je vous propose de procéder à ce vote. Y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Des abstentions? Je n'en vois pas non plus. Donc, unanimement, nous approuvons cette question numéro 23.